Bon samedi. Comment allez-vous aujourd'hui? Dans le cadre de la chronique d'inspiration aujourd'hui, j'ai envie de commencer avec une citation d'Albert Einstein. Albert Einstein a dit « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir. » Alors aujourd'hui, c'est samedi et qu'est-ce que vous diriez de donner? Vous savez, quand on parle de donner, très souvent, les gens vont penser à donner de l'argent ou donner des biens matériels, mais c'est pas ça dont je parle aujourd'hui. Remarquez que si vous voulez donner de l'argent, c'est pas une mauvaise chose, mais je vous parle de donner soit de votre temps. Donner votre temps à quelqu'un qui vous est cher. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez décider d'écrire une petite carte à un collègue de travail. En lui mentionnant pourquoi vous êtes reconnaissant de travailler avec lui au quotidien. Peut-être que vous allez décider de prendre le téléphone pour appeler un ou une amie à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Peut-être que vous pourriez décider de cuisiner et d'en faire un petit peu plus pour votre frère, votre sœur, un ami proche. Peut-être que vous allez décider de prendre du temps pour jouer avec votre enfant à son jeu préféré. Et vous savez, je vous dis ça parce que mon petit garçon, Louis-David, qui a 5 ans et demi, souvent me dit « Maman, est-ce qu'on joue à l'armée ou est-ce qu'on joue au camion? » Et honnêtement, c'est loin d'être mon jeu préféré. J'ai plein d'autres jeux que je préfère faire avec lui. Mais vous savez, ce que je réalise, c'est que donner, c'est s'oublier un peu. Et c'est faire quelque chose qui fait en sorte qu'on va rendre l'autre heureux. Et moi, j'ai la ferme croyance, j'ai la conviction que lorsqu'on donne sans attendre, lorsqu'on donne sans compter, bien évidemment, la vie nous le renvoie. Alors, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? C'est samedi. Souvent, on se donne l'excuse qu'on n'a pas le temps hein, dans cette vie où tout va vite, dans cette vie où on court. Mais pourquoi est-ce que vous ne prendriez pas ce 15 minutes ou ce 30 minutes pour effectivement donner? Peut-être aller voir votre mère ou votre père, prendre du temps, être là. Peut-être donner des sourires à des inconnus aujourd'hui. Pourquoi pas? Alors, j'espère que vous allez relever mon petit défi. Je pense que ce n'est pas un gros défi, mais en même temps, je pense que le fait de donner à quelqu'un va aussi vous permettre de vous remplir de bonheur. Alors, sur ce, c'est samedi. Profitez de la vie. Vous le savez, c'est pour ceux qui me connaissez, vous savez combien pour moi le plaisir au quotidien, c'est important. Alors, profitez-en. Merci d'être là. Si vous avez aimé cette chronique, je vous invite à la partager. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre ce type de message aujourd'hui. Alors, merci d'être là. Et en attendant, je vous dis à mercredi. Salut!